Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez, ici c'est mieux, franchement c'est mieux. Voilà, je ne vais pas encore faire un marathon ou quoi que ce soit, mais c'est tellement mieux. Allez, on regarde de suite les énergies. Demain, nous serons, pardon, le mardi 12. Et le 12 septembre, c'est la liberté qu'on nous... On nous demande d'être libre, de se libérer, de lâcher prise, de se libérer de là on se libère des vêtements pour aller plonger dans la mer. Sentez-vous libre. Ah ben, sentez-vous libre d'avoir de la tendresse pour quelqu'un, peut-être que pour un nouvel amour. Mais là, avoir de la tendresse. Sentez-vous libre d'adopter un chat noir. je sais pas. On va regarder ce qu'ils nous disent. Offrez-vous le meilleur. Voilà. Hein? Vous avez compris. Demain, il faut lâcher tout ce qu'on met autour de soi, comment on dit, les murs qu'on se met autour de soi, il faut qu'on lâche tout ça, qu'on soit libre, libre d'aimer, libre de s'offrir des gâteaux pour, par exemple, mais de s'offrir une vie plus simple, plus saine, plus authentique. C'est ce que je ressens. Et là, ah, et ben là, je vais dire comme ça, parce que je trouve que c'est foncé, pourtant il fait très clair là. Bon, voilà. Alors, entraîne-toi à être libre. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer bientôt. Pardon, il y a un point. Il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ben là, on vous demande d'être libre de... Ah, ça y est, la lumière revient. D'être libre d'affirmer qui vous êtes, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de pratiquer encore et encore, et forcément votre don va exploser et vous pourrez le partager. Alors, ça peut être un don de pâtissier, pourquoi pas, comme un don de clairvoyance ou de clairaudience ou un don pour aider les autres, mais tellement une multitude de dons que entraînez-vous dans ce que vous sentez le plus à l'aise. Allez, on va retourner. Eh ben, et du coup, soyez heureux, partagez ça. Tiens, encore, on vous montre un gâteau. Demain, c'est bien possible que vous partagiez des choses qui vont vous faire plaisir, hein? Voilà, je vous parlais tout à l'heure de lâcher prise. Et bien là, ils vous disent de laisser tomber tout ce qui ne vous convient pas. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit avant. Laissez tomber le surplus, tout ce que vous montrez aux personnes parce que vous croyez que c'est ce que les gens veulent voir, mais non, soyez vous-même. Allez. Et du coup, vous verrez la lumière. Et ne t'inquiète plus, s'il te plaît. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi. Voilà. Et en la vie, plus tu cultives la sérénité de ton cœur, encore, plus les choses sont fluides, encore, ton chemin est tout tracé. Allez. Allez en paix, je dirais. Vous êtes sur le bon chemin et on vous dit de... Voilà. Allez-y. Faites. Soyez libre. Voilà, libre. Libre de voler, libre de manger un gâteau, libre d'aimer qui vous voulez. Et soyez joyeux, toujours, toujours, toujours. Hein. Je l'ai encore dit hier, mais chantez, dansez. Allez. Pour tous ceux qui me connaissent en vrai, ils savent que... S'il y a de la musique, je danse, voilà, j'oublie tout. Allez, je vais vous faire des gros, gros câlins et puis
Je vais vous dire à demain.